le bon plantain, le mûr et le non-mûr. Tu choisis quoi? Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire grandir votre plantain à partir des graines. Dans les esprits tordus qui s'agitaient déjà là, et ceux qui ont cliqué sur la vidéo pensant qu'ils devaient voir les choses. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage, d'industrie, mais surtout de business. Alors, pour faire grandir votre plantain à partir des graines, vous devez tout d'abord sélectionner un plantain mature, mûr, bien grand, déjà qui a déjà commencé à mûrir en haut là. Voilà. Vous allez donc sélectionner les premiers doigts. Vous voyez les doigts les plus gros. Et ce qui est gros. Vous prenez ce qui est gros. Bref, une fois que vous avez fait cette sélection. Alors, observez, je vais commencer par fendre mon plantain. Répète encore, vous devez prendre un plantain qui est mature. Alors, vous voyez, observez, voilà les graines de plantain. Voilà les graines de plantain. Et lorsque votre plantain est mature, vous pouvez obtenir plein de rejets, n'est-ce pas? Plein de nouveaux rejets de plantain à partir de ces graines que vous voyez là. Donc, nous allons extraire tout cela. Regardez comment on fait l'extraction. Vous allez gratter comme ça. Oui. Bien, à présent, nous allons mettre, n'est-ce pas, nos graines dans notre incubateur avec de la suie. Oui. De la suie de bois blanc de préférence. Nous avons bien humidifié notre suie. Ceux qui ont besoin de ce petit appareil très pratique, n'est-ce pas? Vous pouvez passer votre commande, n'est-ce pas, en contactant le numéro qui s'affiche juste là. Vous serez livré, peu importe votre zone géographique. C'est un appareil très pratique. Si vous êtes fan d'agriculture, n'est-ce pas, vous devez l'avoir chez vous. Bien, à présent, nous allons donc incorporer nos graines. Donc, nous incorporons en essayant d'étaler, n'est-ce pas, comme cela. Vous essayez d'étaler cela un peu sur votre suie. Bien, ceci étant fait, nous allons encore recouvrir, n'est-ce pas, d'une fine couche, n'est-ce pas, de suie, avant d'arroser à nouveau. Bien, par la suite, nous allons sceller notre incubateur à l'aide du scotch.